Oui, mais je peux prendre l'hélicoptère quand même. Au levant. Bonjour à tous, bonjour oh le bazar, c'était Camon, on se retrouve dans Jurassic World Evolution, ensemble, où il n'y a pas plus de lumière, donc Léosaur, merci encore de m'avoir pensé à l'éclairage, ça aide vachement, et en finissant mon café avec vous, on va continuer, donc on a un problème électrique à régler immédiatement, il n'y a pas que le parc de carnivore que je suis en train de faire, non c'est autre chose, il n'y a pas assez de jus. La centrale électrique, attends, j'ai une connexion là, c'est les pylônes. Il va y avoir des dégâts, je pense. Je n'ai qu'une centrale. Ah voilà, une ici. Ah bah voilà, coupure, je sais pas. Production améliorée, oui. Plus que 4. Production améliorée encore, on va booster. 200 000 $. Voilà, c'est réglé. Et protection contre les coupures. Trop cher. Trop cher, trop cher. Bon, on a encore ce problème d'argent. Et si j'ai une centrale ici, est-ce que l'autre a été upgradé? Ah ouais, c'était la grosse qui n'a pas été upgradée. Le contrat que voici pourrait être avantageux pour la division sécurité. Je serais très déçu si vous le refusez. Ah bah, un carnivore comme ça, je prends. Un ceratosaure, une note 40, 145. Je prends, on pourrait le vendre. Je pense qu'on peut faire ça. On a le ceratosaure, donc un carnivore. Bénéfice d'attraction, c'est pas terrible. C'est même une misère, en fait. Alors, en attraction, consommation électrique, le bar 3. Le prix de vente de la dino buvette. 1 012 $. On va augmenter le personnel. C'est à 1023. On reste open, c'est la nuit. Ouais. Ok. 159 000. Bon. Prêt à porter. Bar. Fast food. On a une petite visibilité. Côté dino, on a quoi? On a des choses qu'on pourra mettre là. Un strucio. Un triséqué tout seul. Deux strucio. Trois strucio. Non, archéo. D'accord. Bon, il faut qu'on s'en sorte avec les fossiles. Contrat. C'est remonté. J'ai touché 200 000 $. C'est bien. Merci à toi. On va relancer du coup ce qui faisait défaut, les fossiles. Ici, on a du rhénium pour 100 000 $. C'est encore mieux. On va débloquer Métria à 5 000 $. 20 000. Ouais, ça reste raisonnable. 5 000 et 5 000. Bon, on va refaire les recettes. Il n'y a pas le choix. Ça me coûte 75 000 $ vendu. Ah, il me reste 400. Des nonicus, des plotocus. J'ai l'impression qu'on a plus de fossiles en fait dans les sites où il y a plein, plein, plein. Bon, par exemple, si à 60 000 $, le Parasaurolophus, presque prêt. Le Chasmosaurus. Ouais. Chasmosaurus avec le Pachycéphalosaurus vendu. Voilà, on a lancé les expéditions, les amis. On va regarder les quêtes. Contrat scientifique. J'ai un travail à vous confier, si ça vous intéresse. Allez, pas de meurtre pendant 3 minutes, vendu. Voilà, toujours plus haut. On est bien, on est bien. Et en réputation, on va débloquer du coup... les réparations optimisées. Ouais, c'est dans l'ADN. Et on aura un nouveau carnivore, le Carnotaurus, qu'on a fini la science. Ici, attraction vedette, une mission, élément de recherche palustre. Et il me faut la grande centrale. Punaise, ouais, non, il faut que je focus quand même, la sécurité à mort.
Oh, y a du boulot, hein. Mais ça serait peut-être plus utile. 2 minutes avant un nouveau contrat. Ok. On va acheter un œil, tiens, dans la pondaison des... Pondaison. Je suis un peu enrhumé, moi, oh là là. Des dinos, on va voir ce qu'on peut faire. Avec 370 000 dollars. Alors lui, il n'aime pas être trop seul. Le diplôme plutôt sympa. Une note de 160, mais 1 million de dollars, je ne peux pas. Ah, lui, il est en troupeau comme le Maya, il est très grégaire. Ah, le brachiosaur. Combien? 1 600 000. 870 000. Le galluminus seul. Alors, celui-là est pas mal. Ah, le voilà, le Pachy, on dirait un Dracorax à un âge différent. Ouais, ça va être ça. Le Polacanthus. Ouais. Et l'Ankylo, du coup, il est maître seul, lui, hein. On va faire dans le facile, hein, on va faire deux Edmond. Ah, si on peut faire deux Edmond. Il me manque un peu. Il faut plus de dinosaures, de toute façon, pour l'instant, pour aller vendre après. Et s'améliorer comme ça financièrement. Allez, Osmium, 100 000 dollars, super. Le Pachy à 20 000. Très bien, alors on va le finir. Le Styracosaure, 36 000 dollars, on le vend. Le Carnivore, génial. On prend... On est à 300 000 dollars. On va refaire un autre Edmond. Ce qui amène le public, de toute façon, c'est les dinos. Il n'y a pas le choix. Voilà. Là, on va voir si on peut renvoyer une expédition. Tout le monde est rentré, punaise. Celui-là. Allez, il me plaît bien. On va claquer toutes nos pépettes. Et on va se prendre une quête de sécurité. C'est exactement ce super. Dont j'avais besoin. Merci. Bravo. Ça, c'est du cash facile, hein. Allez, on a gagné un nouveau gène. J'attends qu'il s'efface, ça va se débloquer tout seul. Dinosaure prêt à être transféré dans son enclos. Merci. Allez, Georges. Et un nouveau génome complet, le Parasaur. Le Parasaurolophus. Il me plaît ce contrat. Je suis sûr qu'à vous aussi. 5000 dollars par minute. Oh punaise. Monté à 63%. Vendu. Et il me reste 83 000 dollars. Allez! On va libérer les deux Edmonds. Alors cet effet de brouillard, oui, c'est la lumière, je rappelle. Hein. Allez les gars, et j'ai arrêté de renommer les dinos, finalement. On verra au final, au sandbox. Quoique, je les trouve très beaux avec leurs pigments sur le crâne. Ah, il faut que je repense à venir sur l'autre île pour le pigment océanique, la montée à 5 îles aussi, tranquillement. Je vais peut-être s'en off. J'ai dû le dire, hein, je pense. Population, interaction... Mais il est super content. Voilà. Allez, plus de cash, plus de dinos. Voilà. Et si on regarde la note, justement, on est monté à 2... Un peu plus de 2. Dinosaures, 10. Diversité correcte, bien-être correct. Bien-être moins 2, variété moins 24. Bon, le bien-être est bon. Les boutiques, ça pêche un peu... On est quasiment au max là. Alors au niveau des boutiques, ça me dit que ça va pas. Mais moi au niveau électrique, je dis que ça va pas non plus. Est-ce qu'on ferait pas une autre centrale électrique? Attends. On en avait une ici. Bah ouais, c'était logique. Est-ce qu'on pourra faire une autre grosse centrale électrique ici, après tout? 750 000 dollars.
Ouais, oublie-moi. Expédition terminée. On y est. Allez, on va regarder si ça doit remonter le moral. 200 000 dollars. Ouh, de l'or. Qu'est-ce que je décide? Oui. De toute façon, oui. Hein. On va attendre un peu. Ouf, ça coûte cher, ça. $160 000. Le fossile d'oiseau, ça rapporte un max aussi. Et j'ai une nouveauté. Génétique recherche 8, traitement 3, amélioration bâtiment 4. Ok. Mais bon, hors de prix pour l'instant. Hors de question. Deux quêtes en cours, donc augmenter le chiffre d'affaires. Le Ceratosaurus. Donc on va finir le parc de sécurité, je pense. Mais il me faut la centrale. Punaise, j'ai pas le choix. Un nouveau contrat. Je fais mon possible pour vous aider. Alors faites votre possible pour aider la division sécurité. Augmenter la visibilité à 90%. Est-ce que j'ai une centrale électrique ici? Non, j'ai pas demandé ça. Ah, j'ai un restaurant ici en plus. Non, mais ils sont vachement bien. Restaurant, bar, fast-food. Bah, je comprends que ce soit les boutiques qui les embêtent. Ou alors, ici, je fais ce qu'il faut. $750 000, je suis plus très loin. Hein. Il faut libérer de la place. 750 000. Les chiffres ne mentent jamais. Et ouais. Les vôtres sont impressionnants. $60 000. Oh, ça coûte pas cher en Asie, là. Allez, on envoie les expéditions. C'est le secret de la réussite. Comment se porte mon ankylosaurus au fait? Il a l'air heureux. Ah, santé 90%, pourquoi? Comment vous voulez bâtir une relation de confiance avec les animaux si vous ne leur donnez pas d'eau? Mais oui, non mais je... je suis désolé. Attends, on peut pas caser d'eau ici? Ça y est, j'arrive à faire une flaque. Va boire! Regarde, il y a de l'eau là. Allez! Vous avez foncé d'un bout à l'autre de ce contrat. Visibilité à 90%, c'est bien. Mais va boire un coup! Oh, je te jure. Mais t'es têtu comme une bourrique! Va boire, je te dis qu'il y a de l'eau là. Ça y est! La caméra est bonne. Mais qu'est-ce que t'es caractériel, mon pépère? Oh là 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 là! Mais tiens, on va te rebaptiser, toi. Du coup, hop. On regarde. Ça va mieux. Ah non! Voilà. A chaque fois, je capte l'interface de Steam quand je fais Shift. Je t'appelle Soifard. Pour me souvenir de ta bêtise, on a failli te perdre. Ça suffit. Hein. Ce contrat a l'air digne d'intérêt. Enfin, ce n'est que mon avis. Bon, allez, on va te prendre ta popée. Une note à 1,5, je suis d'accord. Revenus attractions, 470 000, c'est bien. Transférer un dinosaure Ceratosaurus. Et on a largement ce qu'il faut pour faire une centrale électrique. Alors, est-ce qu'on peut aménager les petites là et en faire une grosse plus loin? C'est la question. Contrainte du terrain, obstruction. Ah si, il y a moyen. Voilà, oh excellent. Je préfère upgrader au début. Non mais je veux pas. J'oublie, j'en joue avec le clavier, il faut pas. Alors l'idée, ça va être aussi le monorail à développer et finir le carnivore, donc on est bon. Niveau fossile, ça commence à popper. Ah oui, même très très bien.
$40,000 fossile de tortue, c'est mignon ça. Fossile de reptile marin, $80,000. Ok, c'est tout ce qu'on a pu avoir. Mais par contre, on a des choses à acheter. $10,000 pour mitraillant, 5 000, 10 000, c'est cadeau, c'est pas cher. Je prends 10 000. Ouh. Bon, c'est déjà mieux. Expédition de $105,000 vendu. $90,000 vendu. Vendu. Vendu parce qu'on va vraiment développer là. Il faut qu'on fonce. Voilà, ça travaille dur. Secondes et on a nos contrats au niveau dino, 1,5, donc il faut plus de dino. Tempête en avance, oh là là, attention, vite vite vite. Est-ce que j'ai bien géré entrer à l'abri? Mais alors vite hein. Réfléchissez même pas. J'ai pas protégé là. Je sais. Oh punaise! Ça pue là. Hein. Là, ça pue. Où ça? Oh merde! Une tornade! Bon, je vous le spoil pas, j'ai déjà vu plein de séries là-dessus. Qui est cassé ici? Répare le pylône, oui. On va l'améliorer, tiens, tant qu'on peut. Trop cher, j'ai plus d'argent. $40,000. Oh, punaise. Punaise. Oui, mais je peux prendre l'hélicoptère quand même. Oh, le vent. C'est quoi ce délire? J'ai des bourrasques que je vous raconte pas. Ils vont peut-être aller près du parc là. Bon, ça se stabilise en fait. Ok. Ça reste par là que ça évite les dinos. Ça me plaît. On est bon. Allez, on reprend. Répare-moi ça. Ici aussi. Et là, c'est bon. Bon. Il me reste $21,000. Ça tombe bien. Ouf. On va pas avoir assez pour la nourriture. Ah oui, faire gaffe là. Ah, ça va pas du tout. On va évacuer ce qu'on peut. Sans électricité, tout de suite. Station. Et par contre, j'ai que un abri d'urgence, donc il m'en faudra quand même par ici. Hein. Ça y est, c'est fini. Oh punaise. Bon. Alors, on a fait une nouvelle centrale électrique à l'entrée du parc. On va aller la voir.
Et on a besoin de cash. En urgence, ouais. 40 000 fossiles. Ah, tiens, c'est marrant ça. Fossile de Wayangosaurus, 10 000 dollars. On va évacuer ce qu'on peut. On a 154 000. Ok. Alors, ici, Métidino, par contre, est-ce qu'ils ont faim? 80 000 dollars. On va attendre, on va faire dans l'économique un peu. On va revenir sur notre centrale qui va nous sauver. Voilà. Tu es prête? Alors, protection contre les coupures, 100 000 dollars. ...78. On va peut-être travailler à finir ça. Ou à faire une nouvelle boutique. Ça pourrait être bien aussi. On va faire une boutique. Boutique de souvenirs. Est-ce qu'il y a moyen? Obstruction. Pourquoi obstruction? Qu'est-ce qui te gêne? Ah oui, bon, c'est ça qui te gêne. Mur en béton, si je fais ça, 48 000 dollars. Ouais. Ok. Boutique de souvenirs, moi dans ce cas là c'est vendu. Bénéfice par minute 54 000 dollars, mais c'est bien. Coupure de courant, ça c'est moins bien. Ah, attends, je l'avais. Voilà, ça c'est bon. Pourquoi? Protection contre les coupures de courant, on le prend. Et du coup, le garde va venir. Tâche supplémentaire ajoutée. Voilà. Bon, on a un problème de pépette, c'est énorme. Ah oui, puis celui-là est désactivé. Tu rigoles ou quoi? Ah si, il y va quand même. Le sabotage. Alors, c'est bon, c'est revenu. Bon, la note pour les dinosaures, faut que ça remonte. Les revenus, ça remonte. On est bien. Enfin, on est bien. Ça pourrait être mieux. Je réfléchis. Les fossiles. Ha! Polocanthus, 45 000, 36 000. 90 000 pour toi. Allez, je te vends. Je te vends. Ouais. Le site de l'Ouzbékistan, la formation de Bisekti est terminée. Mince. 90 000, 90 000. On va espérer trouver mieux. Et notre carnivore coûte combien? 75 000 dollars. On fait un coup de poker. Hein. C'était quel est? C'est Isla Muerta. Il faudra que je retourne pour ma note. Bon, on est à 5 là. On doit l'avoir le pigment. Attends. Ah non, c'est celle-là. C'est Isla Tacaño. Ouais. Bon. J'ai 57 000 en cash. On va tout virer. Et on va espérer que ça marche. C'est pas ce que je veux. Faut que j'arrête. Je mélange mes jeux en fait. Je reprends les touches qu'il faut pas. Bon, ici ça passe bien. On a la boutique qui est faite. Voilà, boutique de souvenirs.
affichage en commerce. Personnel, on va monter à 3 pour l'instant. Boîte à encas. Ouais, on peut monter à 756$. On va le laisser comme ça. On va regarder la note justement. Qu'est-ce qu'ils me disent là? Bien-être excellent. Maladie contractée. Et... pas de bol. La rage. Est-ce que je le laisse hein? Je crois pas. Et mince, il me faut la recherche. En urgence. Allez, non pas recherche génétique, maladie. La rage. Combien? 352 000. Où veux-tu que je trouve 352 000? Bon, il faut se dépêcher. Parce que là, ça rigole pas. Si je n'ai plus de dinosaures. Iridium, 100 000 dollars. Ça pop, ça pop, ça pop. Personne ne veut acheter. Pour 18 000, pour 22 000. On reste un en Chine, là. Comment veux-tu que je trouve ça? Et en plus, j'ai la nourriture à refaire dans les box. 200 000, ouf. C'est parti. C'est chaud. C'est complètement chaud. Allez, on vend les tortues, oui. 18 000. Voilà. On va laisser la recherche se faire, et nous, on va s'occuper peut-être de la nourriture. Ils chopent tous la rage. Hein. Ça a l'air d'aller. Bon, côté bouffe, ça va encore. On va laisser le parc s'aggraver un petit peu. Il paraît que nos finances ne se portent pas trop mal. Ah, merci. Il y a intérêt qu'on en investisse une partie dans la sécurité. Je pense qu'on va faire surtout... ici. Il va être temps de faire notre carnivore parce que sinon on est dans une mouise. Clôture électrique renforcée. On va essayer de finir. 36 000 dollars, bien sûr. On va rien dire, c'est pas cher. Ça c'est fait, il me reste 213 000 dollars. Oh là là, ils sont trois à avoir la rage. On en est où là? 2 minutes. C'est pire que les 2 minutes du peuple. On va débloquer, on va faire de la place. 20 000, c'est cher. Ça on va dépoussiérer, on va laisser les 20 000 dollars. Ouais. Comment vont les bestioles? Santé, 86%. Ah ouais, c'est pas génial. Il est pas en état de stress. Non, ça a l'air d'aller. Ils sont 4. Punaise, la recherche. On y est presque. J'ai gardé des crédits juste pour pouvoir les soigner. Attention, on va appeler les gardes. Allez. Aucun problème. J'ajoute ça à la liste. Voilà, ça me mange du crédit. Même pas. On va prendre un autre. On va partager les difficultés. 3, 4. Bon. Côté alimentation, on va attendre un peu. Il commence à y avoir du monde, hein. Alors, on va continuer ce parc à carnivore. Je pense que c'est la seule solution, parce que sinon on s'en sort pas. Il va me falloir un point d'eau. La bonne blague. Voilà, ça c'est fait. Et combien? 400 000 dollars. Bon, j'ai les moyens, on va refaire des expéditions, hein. Pas cher. Pas cher. Allez. Punaise. Et là, on fait la place partout. Nouveau génome viable. Cool. On va jeter un œil là-dessus pour finir l'épisode tranquillement. Dans les dinos.
dinosaure asiatique, le Tsingtaosaurus. Il est marrant. On peut pas bouger la vignette. 10 mètres de long, 3 tonnes et 3 mètres 30 au garrot. Belle bête, hein. Vraiment gros quand même. C'est ça qui est bien dans les dinosaures. Découvert à Xiku. Xiku, alors là je peux pas le prononcer, dans l'est de la Chine en 1950. C'est pas récent, hein. Ça fait quand même longtemps qu'on en découvre des bouts là-bas. Dans les archives, ah, préféré, les personnages. Le docteur Robert, une cascade, d'accord. Docteur Robert Burke, employé par Peter Ludlow pour son expertise paléontologique. Bien. On n'a pas d'autres personnes par hasard. Non, apparemment c'est bon. Et en maladie, on rigole bien avec la rage. Et ça se passe mal. Où ça va? Aucun dinosaure malade identifié. Épidémie contrôlée. Oh que c'est beau. Oh que c'est bien. Il nous reste que 36 000 $. Punaise. Bon, on aura vu en tout cas une belle tornade. C'est excellent. Et côté nourriture, non, ça va. Ça le tient. On est bon. Je vais faire mon entrée, tiens. J'ai peut-être les moyens pour faire une porte. Trop cher. Trop cher. Non, mais c'est la dèche, les amis. C'est la dèche. Oh. Tout le monde va arriver. Allez, on va finir sur les fossiles. Et on va se quitter là-dessus. 100 000 $. J'ai eu que 2 arrivages, j'en ai pas eu 3. Si. Il est à 100%, lui, le Corythosaurus. On peut le vendre sur le marché à 22 000. À 30 000. Edmond est plein aussi. Ah, c'est bien. On prend. Ouais, le Chasmosaurus, on va le garder. Les chiffres sont excellents. Excellent, excellent, mais ça me coûte une blinde. On va tenter ici. Écoutez, on va envoyer du monde. On va faire un coup de poker encore. Ici aussi. Le Polacanthus qu'il n'y a que là, c'est parti. Il me reste 47 000 $. Et de quoi tenir, je l'espère. Prochain épisode, ben, maintenant qu'on a découvert la rage et supporté les tornades, essayer de faire les carnivores ici. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Donc c'était TKMON dans Jurassic World Evolution. Déjà l'épisode 27. Et moi, je vous dis à bientôt. On va finir sur un petit dino. Allez! Toi, t'es heureux, on a laissé Soifard tranquille. Comment tu t'appelles, toi? Oh, t'es beau quand même. Allez! Bye bye tout le monde! C'était Tech!